Le monde hospitalier, Philippe Juvin, est très affecté cette semaine par la mort de cette infirmière tuée au couteau à l'hôpital de Reims par un homme connu pour de graves troubles psychiatriques. Il a été mis en examen et placé en détention et la justice vient de demander hier une nouvelle expertise. Son avocat dit c'est un malade et cet avocat estime que cela pose question selon lui en termes de culpabilité, c'est-à-dire en termes de responsabilité pénale. Il y a la possibilité que cet homme ne puisse pas être poursuivi ni jugé. Qu'en pense le député et le médecin que vous êtes? Est-ce que cet homme doit être jugé? Je pense que cette dramatique affaire pose deux problèmes. Le premier, c'est la question de la violence vis-à-vis des soignants. Et la deuxième question, c'est l'état de la psychiatrie française. Pourquoi cet homme n'a pas été soigné avant? Puisque manifestement, il est malade. D'abord, sur la violence, je pense qu'il faut avoir une ligne extrêmement claire. Quand vous touchez une infirmière, quand vous touchez une aide-soignante, quand vous touchez un médecin, vous dormez en prison le soir. Il faut qu'il y ait des lignes claires. Elles ne sont pas aujourd'hui appliquées. Il y a beaucoup de violence qui reste impunie. Il faut protéger les soignants. Ce sont des gens précieux. Et puis, il y a la psychiatrie qui s'est écroulée en France, qui ne fonctionne pas. Essayez de trouver un psychiatre. Et vous, là. Essayez de trouver un psychiatre. On va revenir sur ces deux sujets. Juste sur la première question que je vous posais, sur la responsabilité pénale. Est-ce que pour vous, il faut que ces personnes, y compris lorsqu'elles sont, elles ont des troubles psychiatriques, est-ce que ces personnes doivent être jugées? Il y a une loi en 2008 qui a été modifiée. C'était Rachida Dati, la garde des Sceaux, qui a créé un statut un peu intermédiaire qui fait que quand vous êtes atteint d'une maladie psychiatrique et que vous causez un délit ou un crime, eh bien, vous pouvez quand même avoir un jugement qui permet aux victimes d'entendre qu'il y a une demande d'explication, de réparation. C'est une situation intermédiaire qui est très imparfaite pour la victime, bien entendu. Mais il faut trouver ce juste équilibre. Et cette loi existe, il faut l'appliquer. Souvent, les victimes ne comprennent pas la question de l'irresponsabilité pénale et le fait de ne pas pouvoir juger quelqu'un. Il ne peut pas y avoir rien. C'est ce qui était le cas avant la loi de 2008. Et il ne peut pas y avoir une condamnation identique à quelqu'un qui aurait plein exercice de son libre arbitre. Il faut quelque chose d'intermédiaire, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, il faut améliorer ce qui marche. En l'occurrence, le profil de cet homme pose beaucoup de questions. Comment vous comprenez qu'un homme qui est donc diagnostiqué schizophrène, paranoïaque, suivi depuis les années 80, qui a commis déjà des agressions au couteau en 2017, cet homme est resté libre, on sait qu'il ne prenait plus son traitement depuis plus d'un an, il a pu préméditer son passage à l'acte, il est allé acheter un couteau. Pour vous, il y a eu défaillance du système de santé dans cette affaire, on aurait pu éviter ce drame? Du système de santé, probablement, du système judiciaire aussi, puisque les faits anciens dont vous venez de parler n'étaient pas encore retraités. C'est-à-dire qu'il y a des réunions qui devaient avoir lieu à son sujet, etc. Donc le drame, c'est la lenteur. La lenteur du système judiciaire. Pas du fait des juges d'ailleurs, mais du fait de cette organisation très paupérisée et de la psychiatrie française. Comme je vous le disais, la psychiatrie française est en crise. Il n'y a pas suffisamment de moyens. Et puis, il y a une organisation qui en souffre. Vous savez que dans les services d'urgence en France, il y a un service d'urgence en France sur deux qui n'a pas de psychiatre. Ce n'est pas possible. Alors justement, on a Julien en direct avec nous via le 3216. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Vous vouliez réagir au propos de Philippe Juvin ce matin sur RMC et nous parler, vous, des services psychiatriques dans les hôpitaux, de ce que vous avez constaté. Oui, je pense que depuis 20 ans, depuis l'affaire de Romain Dupuy à Pau, rien n'a été fait ou pas grand-chose, quoi. Et c'est toujours pareil, on réagit toujours 20 ans après. Voilà, donc on manque d'établissements pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques lourds. On manque de personnel également. Vous êtes infirmier, hein, Julien, c'est ça? Je suis en reconversion pour devenir infirmier. D'accord. Et après, je suis d'un autre côté aussi patient expert. Donc c'est pour ça. C'est un domaine que je connais quand même pas, la psychiatrie spécialement. Moi, c'est plus l'hémodialyse, néphrologie. Mais voilà, rien n'a été fait et pas grand-chose. Et puis bon, quand on descend le nombre de patients, de personnel par rapport au nombre de patients, ça ne peut pas non plus bien se passer dans les services. Quoi. Merci beaucoup. Julien, il y a un chiffre, Philippe Juvin. Le nombre de lits dans les services de psychiatrie a baissé de près de 40% en l'espace de 30 ans. Et alors que les besoins augmentent, le nombre d'internes formés en psychiatrie depuis 10 ans est le même, 500 tous les ans, ce qui est évidemment insuffisant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut former beaucoup plus de psychiatres, mais de médecins en général. Moi, je vais vous dire. Le ministre de la Santé dit, mais ça va prendre 10 ans. On n'aura pas de réponse tout de suite. Il est gentil. On peut aller plus vite. Mais tous les ministres de la Santé nous disent ça depuis 10 ans. On aurait commencé il y a 10 ans, le sujet serait différent. Donc, il faut doubler le numerus clausus dès maintenant. Ça concernera toutes les spécialités médicales, y compris la psychiatrie. Deuxièmement, il faut faciliter le travail immédiatement
des médecins retraités. Moi, j'ai fait voter à l'Assemblée nationale une disposition au mois de décembre dernier. Le ministre ne l'a toujours pas appliquée, qui permet, en gros, de favoriser la poursuite du travail des médecins retraités. Vous savez que les psychiatres en France, un quart sont des médecins retraités. Donc, il faut leur favoriser le travail. Il y en a qui veulent continuer à travailler. Troisièmement, il y a les médecins étrangers. Il faut réfléchir aux médecins étrangers. Cette année, on va autoriser 2700 médecins étrangers à venir travailler en France. C'est très insuffisant. Il y a 16 000 candidats. Là, il y a une possibilité d'avoir des médecins très rapidement et plutôt bien formés. Il y a des médecins de service. Je pense à la Tunisie, le Maroc, le Liban. Ce sont de très bons médecins. Mais qu'est-ce qui bloque ? Bah, c'est qu'il y a un numerus clausus, l'administration, le ministre, toujours je ne sais pas, on ne sait pas, a dit c'était 2700. Il y a 16 000 candidats, on en manque. Allez-y les gars. Et puis je pense qu'il faut qu'on voit ce qui a marché dans le temps. Quand Chirac était président, il avait créé sur le cancer, qui était très mal pris en charge à l'époque, l'INCa, Institut National du Cancer. C'est-à-dire un organisme chapeau qui mettait ensemble les chercheurs, les soignants, les structures, l'industrie. Et depuis, le cancer est relativement bien traité en France. Il faut comme le cancer, en faire une grande cause nationale. Ouais, il faut faire l'Institut National de la Psychiatrie en réunissant la recherche, l'industrie, les soins, les structures et upgrader tout cela. Philippe Juvin, il y a la question de la sécurité des soignants. On voit que cet homme voulait se venger du personnel hospitalier. Il visait clairement les blouses blanches. Les blouses blanches sont devenues des cibles aujourd'hui. Comment ça se passe chez vous à l'hôpital Georges Pompidou? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Mais dans tous les hôpitaux, monsieur de France, dans tous les hôpitaux aujourd'hui, il y a des agressions. Ça commence par l'agression verbale, ce qu'on dit incivilité, pudiquement, et puis ça va jusqu'à l'agression physique. Ça vous est déjà arrivé? Bien sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, moi, je me suis déjà fait agresser, si c'est votre question. Physiquement ou verbalement? Physiquement. Physiquement. Oh, verbalement. Verbalement, on compte même plus. C'est ça. Ouais, mais physiquement, c'est arrivé. Bien entendu. Tous les soignants de France vous le diront, c'est une situation qui explose. Donc la solution, je crois qu'elle est très simple, c'est d'avoir des lignes claires. Comme je vous le disais tout à l'heure, tu touches une infirmière, tu dors le soir en prison. Et quand il n'y a que de l'agression verbale, entre guillemets, c'est quoi l'agression verbale? C'est la première étape. Quand vous vous permettez d'agresser verbalement, un jour, vous passez à l'acte. Et donc, moi, je suggère que le ministre, non pas réfléchisse, il faut arrêter de réfléchir, mais il faut agir. On est un système très simple. Quand nous sommes agressés verbalement, il y a une plainte systématiquement qui est déposée, non pas par le soignant qui n'a pas le temps. Quand il rentre le soir, il ne va pas aller au commissariat, ce qu'on lui demande de faire aujourd'hui. Mais l'établissement doit porter plainte systématiquement. Moi, je vois quand il y a une agression... Il faut que tout remonte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on laisse passer. Impunité zéro. Il faut l'impunité zéro. Mais comment on la met en œuvre, une fois qu'on a dit qu'on le faisait? Parce que c'est toujours le problème, la politique, c'est comment on exécute les choses. Il faut que ce soit l'établissement qui porte plainte. J'insiste, et pas le soignant. Parce qu'aujourd'hui, on dit aux soignants, ah mais oui, on est là pour vous protéger, allez porter plainte. Oui, mais mon gars, il est 20h, je suis crevé, je fais ma journée, je ne vais pas aller au commissariat déposer plainte. Est-ce que vous avez des dispositifs d'alerte en cas de soucis, en cas de menaces plus violentes et plus graves? Est-ce que vous avez la possibilité d'alerter dans vos services? Bien sûr, nous avons une ligne directe avec le commissariat de police qui peut nous envoyer une équipe rapidement. Mais la disposition la plus efficace, immédiatement, serait que dans chaque service de France, il y ait un psychiatre 24 heures sur 24. Or, par exemple, nous, mais bien d'autres services, et encore, on est plutôt très bien dotés, nous, à Pompidou, on a un psychiatre durant la journée, mais pas la nuit. Qu'est-ce que vous faites la nuit quand vous avez un patient violent qui arrive avec une décompensation psychiatrique? Vous êtes obligé d'attendre le lendemain, donc vous le sédatez, vous le contentionnez, et c'est là aussi que les choses peuvent dérailler. Donc il nous faut un renfort de psychiatrie dans tous les services d'urgence de France et de Navarre, immédiatement. Il faut en finir avec l'hôpital porte ouverte et mieux contrôler les accès? C'est un sujet immense. Moi, je suis partisan d'une filtration des entrées aux urgences, c'est-à-dire que les urgences ne doivent pas être le supermarché où on vient comme on veut. Pour la psychiatrie, c'est un peu à part. Il faut évidemment que ça soit ouvert. Mais dès lors qu'on dit que l'hôpital doit être ouvert, il faut lui donner les conditions de cette ouverture, c'est-à-dire de la sécurisation, le vigile, la porte, la caméra, la surveillance, le bouton d'appel, le psychiatre, les conditions médicales, et puis derrière, qu'on n'ait pas à pleurer pour avoir un infirmier de psychiatrie. Et puis la médecine de ville, bien entendu. Vous comprenez bien que c'est parce qu'il n'y a plus de psychiatres en ville et la difficulté de se faire soigner en ville que les gens échouent dans les services d'urgence. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur la psychiatrie de ville. À New York, il y a quelque chose de très intéressant. Ils ont multiplié les infirmiers psychiatriques en ville qui voient les patients plus rapidement qu'un médecin. C'est-à-dire, vous pouvez voir vous êtes malade, vous pouvez voir votre infirmier dans la semaine, pas 6 mois plus tard comme en France avec le psychiatre.
25% de diminution des hospitalisations en psychiatrie, c'est la conséquence. Donc c'est très efficace. Le chantier des moyens de la psychiatrie. Une ou deux questions politiques pour terminer, Philippe Juvin, rapidement. Et d'abord, ce terme « décivilisation » employé par Emmanuel Macron, à la fois pour évoquer la mort de cette infirmière, mais aussi ces trois policiers tués dans un accident cette semaine dans le Nord. Décivilisation, vous êtes d'accord sur le terme ? Oui, c'est intéressant. C'est un terme très intéressant. Qu'est-ce que ça signifie ? On peut le prendre de plusieurs manières. Moi, je vois une première assertion, par exemple, qui consisterait à dire que nous ne faisons plus nation. C'est quoi la nation ? C'est l'idée que malgré nos différences, nous venons de régions différentes, nous n'avons pas la même religion, nous ne pensons pas la même chose sur tel ou tel sujet. Nous nous reconnaissons mutuellement comme Français. C'est la définition de la nation. C'est ce qui fait qu'un Corse accepte qu'un Picard soit président de la République. C'est ça la nation. Eh bien, nous ne faisons plus nation. Il y a aujourd'hui, la nation est fragmentée. Finkielkraut avait écrit un article il y a 30 ans en disant « La nation se fragmente au bénéfice des tribus. La tribu des fonctionnaires contre la tribu des non-fonctionnaires, la tribu de ceux qui vivent en ville versus la tribu de ceux qui ne vivent pas en ville, etc. etc. » Cette fragmentation de la société, c'est la source de beaucoup de nos maux, M-A-U-X, oui. Donc, d'une certaine manière, une décivilisation. Et il y a un deuxième sujet sur la décivilisation, c'est que nous avons un modèle de civilisation. C'est le modèle de civilisation européenne, la liberté en clair. Eh bien, il faut savoir ce modèle le défendre. Il est en danger. Certains veulent le mettre à bas. Une dernière question, Philippe Juvin. Vous êtes d'accord avec vos collègues chez les Républicains ? Il faut déroger aux traités européens, se mettre en marge au sein de l'Union européenne. Le gouvernement vous accuse même de défendre une forme de Frexit sur vos propositions sur l'immigration. C'est pas une position qui vous gêne ? Non, mais pas du tout. Moi, je suis profondément européen. Et ce que nous disons, nous, Républicains, est assez simple. Ce n'est pas du tout du Frexit et ce n'est pas du tout la remise en cause des traités européens. Parce que tous les imbéciles qui ont lu de travers, excusez-moi de vous le dire, j'ai entendu un député... On parle de déroger aux traités européens. Mais c'est faux. Ce n'est pas un traité européen. La Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas un traité européen. C'est le Conseil de l'Europe. Ce n'est pas une institution de l'Union européenne. Ces gens-là confondent la Cour européenne des droits de l'homme et aussi la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a un petit cours d'instruction civique à faire de la part de ces députés Renaissance qui n'ont vraiment rien compris. Merci Philippe Juvin d'être venu ce matin sur RMC, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Merci. Très bonne journée, bon week-end à vous.